16e édition du tournoi de Nîmes. 1136 inscrits et 32 nations surtout, ce qui nous fait énormément plaisir. On sort de Londres et des émotions des Jeux Olympiques et je suis très content d'avoir un grand nombre de médailles olympiques, notamment les 3 médailles d'or italiens de la finale par équipe et 2 médaillés américains, médaillés d'argent, qui ont disputé aussi cette finale. On s'ouvre de plus en plus sur l'Asie, on a des nouvelles nations comme l'Inde qui viennent en plus de la Corée du Sud et du Japon, donc ça c'est formidable. La synergie provoquée par le circuit de Coupe du Monde entre Singapour, Nîmes et Las Vegas fait que le nombre de nations augmente et les plateaux sont de plus en plus relevés dans chaque étape. C'est vraiment très bon pour notre sport et très bon pour le spectacle. Ici, on a égalité sur cette première manche. Avec les petits bras, dirons-nous, pour l'instant, du côté de l'Italienne sur ces deux premières. Ensuite, elle a su retrouver beaucoup plus de solidité. Probablement les endroits les plus impressionnants pour un tireur vu le nombre important de spectateurs que nous avons ici, vu l'ambiance, à entendre les encouragements que je vous donnerai dans quelques instants. 9, 9 points. 9, 9 points en Australie. 10, 10 points. 10. 10, 10 points. And the tie, 10. D'accord. Donc la passion pour ce set qui devrait présenter. 10, 10, 9 pour Marcella Ognoli. 10, 10 points. Yes. 9, 9 points. 10. Voilà, un deuxième là, bonne réaction. 10, 10 points. 9, 9 points. 10 draws a 7, there's an 8, so we have a draw. Plus patient, vous l'avez vu. La balle des gauchers qui prend les nerfs, c'est bon. 4-4 draw, and Naomi Jones will shoot first when we resume. Il est capable de le refaire assez rapidement. C'est Naomi Jones qui tirera la première flèche. Next set will be match set.
It's always nerve-wracking being in a big match like this, in a big venue like this. You know, you start off a bit nervous, and then, you know, you think, right, well, you know, once all the, you know, intimidation of the hall and everything kind of wears off, then you just shoot, and it's just, you know, you and the target, like it is in the range or wherever else. Thank you.
9. It's good to add this one. This is one that's been one I'd really like to have won. I won my first World Indoor here when they held the World Championships here, so it's kind of always been a kind of a fun place I wanted to do well at. I love this sport, and I'm a competitive person, and you know, I mean, there's a lot of great shooters, and to me, I love to go out and compete, and that's my favorite part of the sport is being competitive, and I'd like to go down maybe as one of the best archers ever, so that's kind of what strives and drives me. So. On a souvent l'impression après les Jeux Olympiques que tout s'arrête, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux Olympiques, c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les jours, et qu'au lendemain des Jeux Olympiques, on n'a qu'une envie, c'est de faire les prochains, et donc de se préparer avec toutes les compétitions qui vont jalonner ces 4 ans jusqu'au prochain JO. Après les Jeux, on ne s'entraîne pas forcément différemment. Il y a eu beaucoup de remises en question, parce que certes, bon, moi je fais 8e aux Jeux, ce qui est une bonne place, mais sur les qualifs, j'étais 37e. On a fait un certain nombre de bilans individuels et collectifs, et donc là, on a établi une stratégie pour chacun des tireurs. C'est vrai qu'après les Jeux, on fait une petite pause pour bien récupérer, parce qu'en général, on s'est bien entraîné pendant 4 ans. Et puis donc là, c'est vrai que j'avais la décision de reprendre une saison salle que j'avais vue avec Marc, parce que ça fait 2 ans que j'en ai pas fait, depuis 2010. Justement, pour varier un petit peu l'entraînement, et puis pour reprendre confiance, et puis aussi pour gagner. Donc on est en plein dedans. Je fais certes la Coupe du Monde avec les 3 manches, donc j'ai déjà fait Singapour où je finis 2e. Il y a Nîmes ce week-end et Las Vegas début février. Et en fait, j'ai aussi fait des compétitions à côté. J'en ai fait une au mois de novembre et une là il y a 2 semaines. L'avantage d'avoir toutes ces compétitions, c'est que justement ça permet de cibler et de donner du sens à l'entraînement au quotidien, parce que Bérangère a fait déjà 3 fois les Jeux Olympiques, c'est une archère très expérimentée, donc elle a besoin de se fixer des objectifs à court terme pour pouvoir avancer au quotidien. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est en compétition qu'on apprend et qu'on peut se remettre en question et essayer d'avancer jusqu'aux échéances les plus importantes. Donc on est dans cette phase-là aujourd'hui. Yeah.
tournoi de Lille, malgré quelques participations, elle occupe le haut de la scène internationale depuis une vingtaine d'années, puisqu'elle avait fait sa médaille olympique à Barcelone contre Sonia Baleva, contre la foule peut-être et l'audace de Céline. C'est confirmé 10, 9 et 8. Scores are confirmed and we have a draw. Go back. 10. Sur cette troisième flèche, sur la réaction de Natalia Valera pour 10, 10 points. 10, 10 points. 19, probably just touching, but too close to call. 9, 9 points. 10. Nous attendons la valeur définitive de toutes ces flèches, mais le match sans ton match, ça ne changera pas la victoire du 7. Et c'est bien. Non, pas. Voilà, c'est jugement quand même. Et 3, 10. De Natalia Valera, qui fait 10, 10, 10. Natalia Valera, tiré. La première flèche de ce dernier set. 9. 10. 10. 10. Je stressais un peu au début du match, mais après j'ai essayé de plus me focaliser sur mon tir, et puis ça a un peu payé. Et c'est vrai que battre Valeva en finale, c'est quand même. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc c'est une belle expérience et puis c'est une belle réussite. Comme j'avais notre entraîneur national qui était là, j'essayais juste de garder, vraiment voir que lui, un peu de focaliser sur ce qu'il me dit, lui et mon tir, et pas regarder ce qui se passe autour. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle, c'est pas comme à l'entraînement, donc j'essaie vraiment de me focaliser sur quelque chose pour justement essayer d'oublier un peu. C'était la finale de Nîmes, donc et ça a un peu payé, donc c'est bien.
C'est l'expérience de Grandpère qui a été le choix probablement de miser sur cette saison en salle. On va miser quelques mois, probablement à l'UFE qui lui permet peut-être d'essayer de prendre un ou deux points de cordon de temps en temps sur une trompette. En tout cas, il prend le premier set. Malheureusement pour lui, sa dernière termine au 8, lui permettant d'avoir maintenant un match où les deux archers seront à 2 points partout, 19 sur la cible 17. Ça lui permet de signaler peut-être un peu. Vous avez remarqué, hein, le Hollandais qui reste toujours très souriant, son comportement. Il a mis sur 10 pour finir le set. Et venez maintenant 4-2. Donc, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour vos deux finalistes. War sehr schwierig und es hat sehr gewackelt und ich war sehr nervös. Es ist vielleicht zu einem Viertel Glück oder ja, und es war ein schwieriger Schuss und ich habe ihn aber getan, ich habe ihn gut zu Ende gebracht und dann war es eine 10. Es ist schwer zu sagen. Ich habe versucht, alles auszublenden und es hat fast geklappt. Also ja.